Mais c'est le brouillard-brouillard ce matin. Et bah, j'aime bien cette ambiance. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous avez vu, je les ai mises. C'est pas pour ça que je me suis faite, hein, loin de là. J'ai la sensation d'avoir de l'eau dans les yeux, à droite, à gauche, comme si j'avais mis la tête sous l'eau. Donc c'est hyper désagréable, ça me fait pleurer même. Bon, pareil, on va dire que ça va passer, mais bon. Franchement, dès l'instant où ça commence à être un peu pesant, je remets les autres, hein, tant pis. Hein, toute une journée entière, c'est quand même chaud, quoi. Bref, j'ai les cheveux en bataille parce que je vais chez le coiffeur dans peu de temps ce matin. Bah, ça a été montage du vlog que vous avez très certainement déjà vu. Et pour le reste, ah si, j'ai reçu un petit colis encore ce matin. Bah, on va regarder ça. Ça, là, il y a de fortes chances que ce soit une box que je dois présenter. Ouais. Beautiful box. Ok, bah ça serait sur la chaîne des box parce que voilà, c'est là que je dois les présenter. En tout cas, c'est joli. L'emballage est sympa. D'ailleurs, ce midi, bah si, il faut que je grignote quand même parce que chez le coiffeur, sinon ça va être chaud. Ouais, je vais me faire ça. J'aime bien, c'est des bonnes petites galettes avec deux œufs et des papates. Voilà, jamais bien loin. À quelle heure j'ai rendez-vous au fait, moi? 2h15. On est bon, on est large même. J'aime bien manger sucré-salé. Je suis un peu exotique comme nana. Et bah, je vais me couper des petits bouts et je vous montre après. Voilà ce que ça donne. Là, on est sur une grosse régalade. Hein. Je rajoute les petites bananes et vraiment, c'est une super association. Bon, faut aimer le sucré salé, on est d'accord. Sinon, vu que j'ai dit que j'étais une aventurière chez coiffeur, est-ce que je vais me lancer? Est-ce que je vais changer de couleur? Franchement, j'y vais pour normalement faire des mèches, comme je fais tout le temps. J'hésite soit faire couleur racine, tirer des mèches pour éviter que ça vire, ou carrément, bah carrément. Mais si je change de couleur, j'ai trop peur que voilà, que j'assume pas, du coup, que je doive repasser. Enfin, ça coûte cher, ça abîme, donc je vais peut-être rester raisonnable. Quoique rien n'est fait, hein. Rien n'est fait, vraiment. C'est super bon. Mmh. C'est hyper désagréable. Ça me fait couler tout le maquillage en plus. J'avais pas de noir normalement là. Et ben voilà, je me suis posée devant mon ordi pour m'avancer. Bien sûr, j'ai pas vu l'heure. Résultat, je vais réussir à être à la bourre chez le coiffeur. Putain, je suis essoufflée. Faut vraiment que je reprenne le sport, le cardio, moi. C'est sympa les jours de marché. La place est complètement vide. Bon allez, je me maille, je vais être vraiment, 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 vraiment en retard. J'ai décidé de changer. Ce que je vous l'ai dit les gars, je vais peut-être changer. Ça serait quoi plutôt? Ça c'est joli, ouais. J'aime bien. Plus dans du, avec un blond, comme on dit, polaire. Bah ça, c'est des blonds polaires. J'ai refait beaucoup de mèches plus foncées dedans. Vous trouvez que c'est trop ou pas? C'est fondu quand même. Oui, mais pour moi, c'est trop foncé pour moi. Pour la ce que racine, moi, je veux. La racine, et même là, c'est pas assez blond comme je veux. Okay. Moi, ce que... Ouais, un plus comme ça, moi. Là, c'est une déco. Bon, je viens de sortir, je pense qu'il est pas loin de 5h. Donc on est... Ouais, je suis restée plus de 2h30. Au revoir. Bon, je ne vous ai pas montré, mais souvenez-vous, hier, j'avais un peu flashé sur un gâteau. Et bah je l'ai acheté. Regardez. Est-ce que tu veux un gâteau ou ce soir plutôt, hein? Peut-être. Hein. Je peux vous dire que les petits bouts de nougatine, j'ai très envie de les manger. Hein. Donc on a une mousse de poire, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc il y a aussi goût macaron. Avec du croquant, parce que moi j'aime quand il y a un petit peu de croquant. Pour vous dire la vérité, on est un petit peu fâchés tous les deux. Parce que
que je suis rentrée de chez coiffeur. Bah, tant pis, je leur dis. Et je crois qu'il a fait un petit pissou près du tapis. Donc ça, je déteste. Donc bah, j'étais fâchée, voilà. J'ai ma petite étagère, vous savez que là que je viens d'acheter, enfin que j'ai acheté il y a 2 jours, je crois. J'hésite, plusieurs endroits. Il n'y a pas assez de recul pour que vous puissiez vous en rendre compte, donc là, ça passerait nickel. Ou alors, elle peut aller... Ouais, non. Beaucoup trop chargée, il y en a déjà une ici. Après, non, bah là, pareil, hein, il y a déjà, mais j'ai vraiment envie de la mettre dans mon bureau. Donc, il y a de fortes chances que ce soit vraiment là. Ça va être super mignon. En plus, bah, je mettrai des petits cactus, enfin, des petits végétaux. Ouais, ça va être super beau. Après, il faut que je vois juste au niveau de la hauteur. Mais ouais, c'est sympa. Donc là, on est... Parce que là, non plus, hein, non, il y a déjà assez de choses comme ça. Et franchement, ça rend bien. Hein. Ah, j'adore. C'est plutôt même très mignon. Faut que je vous dise, Eric m'invite au resto, apparemment. Il a envie de manger chinois. J'ai envie de te dire cool. Bon, par contre, j'aurais pas dû manger autant de gâteaux, le gâteau, là. Parce que je l'ai mangé, il était quelle heure? 18h et quelques, donc là, il est 7h30. Il n'est pas complètement descendu, en fait. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Donc, petit resto. Et, bah, vous venez avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre un Mai Tai. Et ouais, bah bon appétit. Il m'a toujours fait délirer ce lustre. C'est très kitschouné, mais... À la limite, Saint-Jacques, ça aurait pu me plaire quand même. Ça a l'air brochette de crevettes, gambas, et puis tous les petits légumes, là, c'est sympa aussi. Ouais. C'est l'année des cochons. Ouais. C'est quoi, toi? L'année prochaine. Je sais pas. Bon, bah voilà, on est rentrés, c'était très bon. On a mangé, mais hyper rapidement. Je suis tombée sur 2-3 morceaux, j'avais demandé avant à la dame, et je crois qu'elle comprenait pas. Je lui ai dit, c'est pas épicé. Elle fait, non, pas épicé. Et en fait, bah, je me suis bien pété les ventres, parce que j'ai pas le droit, moi, à tout ce qui est épicé, c'est pas grave, j'ai pas fini. Au niveau de mes cheveux, bah, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, après quelques shampoings, on verra beaucoup plus. Et puis, avec la lumière naturelle, peut-être demain, on verra mieux. Sinon, bah, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut !